Et donc c'est parti, tout de suite on va lancer la vidéo qui explique vraiment globalement le produit Pocket Talk. Donc Pocket Talk, c'est un traducteur, comme je dis, bidirectionnel, c'est-à-dire que vous avez deux boutons. Ces deux boutons permettent de traduire donc d'une langue à l'autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil pour voyager partout dans le monde et pouvoir traduire des contenus. Donc quand je dis des contenus, c'est à l'oral, mais c'est aussi à l'écrit. C'est ça qui est important, c'est que Pocket Talk, cette marque venant du Japon, a développé une nouvelle fonctionnalité vraiment innovante qui permet de prendre en photo un texte pour pouvoir le traduire directement dans votre appareil. It's a pleasure. C'est vraiment un appareil qui est indépendant, donc vous n'avez pas besoin de votre téléphone et qui va stocker toute la donnée pour vous permettre justement d'utiliser ce produit à titre professionnel comme personnel. Donc là, on voit la vidéo là, en ce moment, qui est très orientée justement sur le monde pro pour les commerciaux, mais c'est aussi, voilà, comme on voit en vacances, on va pouvoir voyager et parler toutes les langues possibles. Quand je dis toutes les langues, quasiment, parce qu'on a quand même 74 langues, 74 langues dans ce tout petit appareil que je vais vous montrer par la suite. C'est petit comme une carte de visite. C'est comme ça. On va voir ensemble. C'est vraiment petit. Et donc oui, vous avez de multiples fonctionnalités. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, il y a aussi la fonctionnalité calculatrice. Bah ouais, parce que si je suis à l'étranger, je ne sais pas combien vaut autant de Thaï baht, par exemple, en Thaïlande, et bah, du coup, je vais pouvoir calculer rapidement. Et donc, c'est vraiment un outil de traduction, mais aussi un outil qui va me permettre d'explorer mon voyage dans les meilleures conditions. Donc, on a la calculette, mais on a aussi un outil pédagogique. Parce que, ok, je vais pouvoir traduire, mais c'est encore mieux d'apprendre la langue. Donc, il y a vraiment une fonctionnalité qui permet d'apprendre la langue avec des mini-jeux dans l'appareil. Donc ça, c'est globalement les fonctionnalités, pour résumer, un traducteur bien solide, malgré que c'est compact. Mais voilà, 74 langues, deux façons de traduire, texte et à l'oral. Et donc, je pense que j'ai fait le tour vraiment sur les fonctionnalités principales. De toute façon, on va le décortiquer ensemble. Hein. On a 30 minutes ensemble, on va pouvoir faire ça ensemble.